Menolias. Je crois bien t'avoir déjà rencontré, mais bien plus jeune. Je t'ai même tenu dans mes bras. Oui, oui, c'est ça. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Cette étincelle dans le regard, j'en suis certain, et tu sembles être la personne parfaite pour relever mon défi. Bien sûr. Est-ce que vous m'attendiez ? En fait, j'attendais juste que quelqu'un passe. N'importe qui. C'est un endroit parfait pour un défi, tu ne trouves pas ? Je vais lâcher 3 cloches magiques. Tout là-haut. Là où personne ne peut les atteindre, sauf que ça demande de la patience, de l'instinct et de l'ingéniosité. En fait... Il n'y a peut-être personne d'assez doué pour faire ça. Tant pis. J'ai survécu au Mont Caf. J'y arriverai. Impressionnant. Si vous le faites, je vous offrirai une récompense. Alors, en es-tu capable? Excellent. Je t'en prie, montre-moi l'étendue de tes talents, jeune homme. Prêt?
Alors, tu t'en vas. Thank you.
Il est parti. Tu peux sortir. Tu m'as trouvé. Ah, non. Désolé. La lune. Et sur des vols. Alors. Lève-les. Sais-tu pour que. Pas sûr. Pourtant. Non, c'est ma mie. Le roi. Si j'aide-moi. Aucun défi ne peut prendre ça. T'avais pas un morceau de la lune? La vraie lune n'appartient à personne. Je vois. Eh bien, fais attention à toi. C'est dangereux par ici. C'est bien vrai. Je ne suis pas un guerrier comme toi. Eh bien, nous voilà partenaires. Retrouve-moi. La lune et moi te guiderons jusqu'au prochain morceau.
Soyez vigilants. Le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y! Thank you.
Bonjour. Salut, Sargon. Tu me reconnais toujours ? T'inquiète pas, c'est pas tout le monde qui oublie. Pas comme les alchimistes fous. C'est pour ça qu'ils mettent tout par écrit. Le bouleversement a été très puissant cette fois. Je suis pas sûre de ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu ton prince... Hassan ? En vie et en bonne santé. Très digne aussi. Donc, t'as bien eu ta seconde chance ?
d'exercice. Comme promis, je viens de... Yeah.
que là où tout commence. Au revoir, Sargon.
Je suis coincé ici. Tu peux m'aider? L'ami, tu es là? Ce n'est pas que pour moi. La lune appartient au monde entier. Ça vaut vraiment la peine de se donner tant de mal? Une vie sans risque, ça en vaut la peine? On cherche tous les deux des réponses. Je n'abandonnerai pas, et toi non plus. Peut-être que tu as raison. On cherche tous les deux la vérité. Viens, rejoins-moi à l'étape suivante, et je te montrerai.
Jade, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Je ne te demande même pas de me croire. Ce serait si important? Pour ce que ça vaut, je te trouve très courageux. Ah, je vois que la lune commence à avoir un effet sur toi. Ah, par ici. L'éclat vient d'un autre morceau. Tu vois ces hommes là-bas? C'est l'effet de la malédiction du... Ils n'ont pas eu besoin d'une malédiction pour avoir... Quand les terres et la mer... Ah, l'oiseau...
Tu n'as pas l'air si contente d'avoir retrouvé. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Lui, il me trouvera bientôt de quoi remplir mes coffres. Des trésors, l'oiseau? Oh, trouve-en plus! 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 Et s'il s'échappe encore? S'envole! S'échappe! Il ne s'échappera plus. Alors, perroquet, il est l'heure de se mettre au travail. Chut! Trésor! C'est à moi que tu parles? Caché! Garde! Merci, guerrier. Je pense que la récompense te conviendra. Ah, aucune confiance! Tu vois ces hommes là-bas? Ce ne sont plus... C'est les... Ils n'ont qu'en l'état, l'oiseau.
suis coincé! Par ici! Penses-tu que les destins de chacun s'entrecroisent? Que nous sommes tous liés? Je n'ai pas vraiment eu le temps d'y penser. Si on est liés, l'ami, alors je te dois la vérité. Je ne vois pas de morceau de lune. Tu dois avoir la foi. La vraie lune scintille pour nous deux. Ce n'est pas grave. On continue? Le silence déplore la perte de la vraie lune. Le vent et les chuchotements nous guident vers le prochain morceau de lune. C'est terminé.
Et ça en valait la peine? Seule la lune comprend l'avenir. Je ne vois aucune différence. Tu verras. Bientôt, le ciel nocturne dévoilera le fruit de notre travail. Pour récompenser ta foi en moi, je t'offre la lune en cadeau. Et ça. Maintenant, je vais trouver le meilleur endroit pour contempler le ciel. J'espère que tu prendras le temps d'admirer la vraie lune, mon ami. Bienvenue.
Bonjour.